bonsoir. Nous sommes le 23 décembre 2021. Il est 3h du matin et je me trouve au sommet de la colline de la Vierge à Méhoun-les-Monts-Rieux. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là avec le froid qu'il doit faire, vu comment tu es habillé? Effectivement, il fait froid. Tout à l'heure, à 20h, il faisait moins 3 degrés. Donc là, il fait largement plus froid. J'en reviens à la question qu'un certain nombre doivent se poser. Mais qu'est-ce qu'il fait donc là, à cette heure-là, avec le froid qu'il fait? Alors, j'en profite pour rappeler quand même à ceux qui connaissent que le moment de Noël suit de quelques jours une période que l'on appelle le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver est le moment où la nuit est la plus longue et le jour le plus court. Et c'est également le moment où les journées vont commencer à se rallonger. C'est donc une période qui est connue depuis la plus haute antiquité, que l'on a commencé à appeler la Saint-Jean d'hiver à partir de l'ère chrétienne, mais les astres ayant été étudiés bien avant, cela a été tout simplement nommé l'équivalent de ce que l'on appelle le solstice d'hiver, qui est le pendant du solstice d'été, donc à une date aux alentours du 21 juin. C'est un moment qui marque l'un des points cardinaux dans notre temps. Sachant qu'il y a des points cardinaux qui marquent l'espace, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, et il y a également des points cardinaux qui marquent le temps, donc solstice 8 d'hiver, solstice d'été, équinoxe du printemps et équinoxe d'automne, c'est-à-dire le moment où le jour et la nuit sont de durée équivalente. Donc ces périodes-là, lorsque l'on en a conscience, sont des périodes qui marquent les points cardinaux de notre espace et de notre temps, donc de notre monde, ou plutôt du monde dans lequel nous vivons, qui est un monde tridimensionnel, marqué par l'espace et le temps. Traditionnellement, j'allais au fenouil à Hierne, mais habitant maintenant à Méhoun, j'ai trouvé un endroit qui est tout aussi intéressant, qui est donc la colline de la Vierge, au sommet de Méhoun. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent reconnaîtront la fresque qui se trouve derrière moi, qui se trouve au sommet donc de cette colline de la Vierge, puisqu'il y a au-dessus une Vierge, que nous ne voyons pas ici, mais qui se trouve au-dessus du bâtiment qui est derrière moi. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En réalité, il n'y a pas de but vraiment défini. C'est tout simplement que ce moment est un moment intéressant, que je vis depuis très longtemps, et que j'ai donc envie de partager avec les personnes qui éventuellement l'auraient vécu avec moi par le passé, lorsque je vivais ce moment-là hier, au Fenouillé, qui ont fait partie de ma vie passée, et que j'ai également envie de partager avec les personnes qui partagent ma vie présente. J'en profite donc pour saluer les personnes amoureuses des sociétés antiques en général et de l'Égypte antique en particulier, qui suivent mes vidéos, je le sais, de manière très régulière. Donc pour ces personnes-là, qu'il y a des choses que l'on aborde d'une manière plus ou moins théorique. Mais chacune de ces choses que nous abordons peuvent également être mises en pratique. Et c'est donc ce que je fais ici avec la période du solstice d'hiver, où je reproduis quelque chose qui se fait depuis toujours, qui consiste à monter au sommet d'une montagne au moment du solstice, que ce soit le solstice d'hiver
aussi bien que le solstice d'été. Alors bien entendu, au moment du solstice d'été, dans l'hémisphère nord, c'est beaucoup plus simple que le solstice d'hiver, bien entendu. Puisqu'au moment du solstice d'hiver, il faut affronter le froid, la neige, le gel éventuellement. C'est plus difficile, mais justement, cela fait partie du jeu. Là, j'en profite pour boire également une petite bière. Alors je partage ça avec les personnes qui me regardent, une bonne petite lèvre rubis. Donc comme je le disais, il n'y a pas vraiment de but précis dans cette vidéo. C'est juste un moment que je partage. Le solstice d'hiver au sommet d'une montagne, comme cela se faisait traditionnellement dans différentes civilisations de différentes époques depuis la plus haute antiquité. Et donc je reproduis en toute simplicité cette tradition. C'est vrai qu'il n'est pas facile de reproduire ça accompagné d'autres personnes, tout simplement parce qu'il faut déjà affronter le froid, il faut affronter le stress éventuel qu'il peut y avoir à se déplacer dans le froid en pleine nuit dans la forêt. Alors pour moi, étant habitué, c'est plus du tout un stress, au contraire. Mais cela demande un effort quand même, je dois l'avouer, parce que c'est vrai que en pleine nuit, en hiver, on a mieux à faire que d'aller se promener en forêt, il faut avouer. Mais une fois qu'on y est, on est content d'y être, parce qu'on a perpétué une tradition